Tu veux manifester un message de ta personne spécifique ou d'une autre personne? Eh bien, c'est simple. Utilise ces techniques que toutes les autres ont utilisées pour qui ça a fonctionné, parfois dans la demi-heure et parfois assez rapidement dans les 24 heures et dans les jours qui suivent. C'est très simple. Tu vas utiliser la transmission de pensée. En fait, tu vas utiliser cette simple phrase. Tu vas penser à cette personne, tu vas la voir devant toi. Tu sais à quoi ressemble cette personne. Tu sais très bien à quoi ressemble cette personne. Donc, tu vas imaginer dire son prénom et puis la phrase suivante. Donc, moi, je vais te donner l'exemple avec personne spécifique, mais tu vas utiliser ça, son nom à la place de la personne spécifique. Personne spécifique, personne spécifique, personne spécifique, trois fois. Tu m'envoies un message maintenant. Personne spécifique, personne spécifique, personne spécifique, tu m'envoies un message maintenant. Imaginons que tu veux que moi je t'envoie un message, tu vas dire Val, 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 tu m'envoies un message maintenant. Et tu vas répéter ça trois fois, donc trois fois le prénom et à chaque fois trois fois la phrase. Donc je vais le refaire pour toi. Val, 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 tu m'envoies un message maintenant. Val, 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 tu m'envoies un message maintenant. Val, 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 tu m'envoies un message maintenant. Si tu veux voir la vidéo où j'explique comment faire, eh bien, il te suffit de cliquer en dessous de cette vidéo. Tu verras la vidéo ou bien tu verras, elle est épinglée sur ma page TikTok.